Peu importe la diète, la quête est la même, perdre ses quelques kilos en trop. À long terme, les diètes amaigrissantes ont un très faible taux de réussite. C'est ce qu'a démontré la nutritionniste Karine Gravel dans sa thèse de doctorat. C'est à peu près là, 86 à 94 % des personnes qui vont reprendre le poids perdu 2 ans après la fin de la diète, là, 2 ans ou plus. Donc, le taux d'échec est extrêmement élevé. Je connais personne qui peut suivre une diète indéfiniment. Là, on finit toujours par bien, se fatiguer, se lasser de ça. Le truc de base que je dis toujours aux gens, puis si, quand il m'arrive avec une nouvelle diète, une nouvelle chose, ma première question, c'est est-ce que tu crois être capable de maintenir ça à vie? Pas pour 1 an, 2 ans, comme tout le temps. Tout le temps, oui, c'est ça. Ouais. Si la réponse est non, bien, c'est pas la bonne solution. Joanne Gilbert est docteure en kinésiologie et spécialiste de la gestion du poids. Notre perception de l'image corporelle dans la société d'aujourd'hui qui nous pousse vers une espèce d'image parfaite, coupée au couteau, tout à fait irréelle, puis même retouchée énormément par ordinateur, bien, c'est là où est-ce que ça vient faire une espèce de distorsion entre notre image à nous puis ce qu'on voit, donc une insatisfaction de l'image corporelle. Le marché mondial des diètes, c'est plus de 300 milliards de dollars dépensés l'an dernier en aliments miracles, substituts de repas, livres de recettes ou programmes minceurs. On dit souvent que c'est la seule industrie qui vit de ses échecs, à nous faire croire qu'il y a quelque chose qu'on a fait de pas correct si jamais on a repris le poids perdu, alors que bien, c'est le mécanisme qu'on doit remettre en question. Presque une femme sur deux fait au moins 2 tentatives de perte de poids par année. C'est au moins 2, hein? Ça peut être plus que ça. Ça, c'est probablement à répétition. Hein? C'est rare que quelqu'un fait juste une diète amaigrissante dans sa vie. L'équilibre, le corps, c'est ça qu'il aime. Donc, de faire changer souvent le poids, ça amène plus de problèmes de santé, malheureusement, à long terme, que de maintenir un poids, même s'il est élevé parfois. Donc, de faire beaucoup de yo-yo, c'est pas nécessairement très bon. En plus d'être néfaste pour le corps, les diètes amaigrissantes à répétition provoquent aussi des blessures psychologiques. Ça laisse des traces, hein? Ça augmente l'insatisfaction corporelle, ça diminue l'estime de soi aussi, c'est normal, hein? Si on refait quelque chose de semblable puis on est toujours dans une situation d'échec, bien, on en vient à penser qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et si la solution était ailleurs que dans les restrictions alimentaires? Ce que je vais faire en clinique, c'est de commencer à parler de la gestion du sommeil, la gestion du stress, qui ont un impact sur la santé et qui, par la bande, pourraient avoir un impact sur le poids. Quand on change nos habitudes de vie pour avoir des habitudes de vie qui sont saines, on va se retrouver avec un poids qu'on appelle naturel. Ou est-ce qu'il n'y a plus de bataille contre le poids, de bataille contre la bouffe, de se forcer à tout prix à aller bouger puis faire des entraînements de fou, quitte à se blesser, quitte à ne plus aimer ça? Est-ce que c'est réaliste, ça, d'imaginer qu'il y a un poids qui va nous garantir la santé? Si c'était si simple que ça, bien, toutes les personnes qui ont un poids plus élevé seraient malades, puis toutes les personnes qui sont minces seraient en bonne santé, puis c'est pas le cas non plus. Si on remplaçait le pèse-personne par le plaisir de manger sans culpabiliser. L'alimentation intuitive, c'est une approche qui est bienveillante, une approche qui est positive. Hein? On n'est pas dans le contrôle ou essayer de respecter des règles alimentaires. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une liberté dans cette approche-là où on va davantage écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, l'alimentation intuitive, c'est un concept qui est très important. Pour moi, ça fait partie de l'alimentation humaine. Et on peut manger de façon intuitive. Et manger peu transformé, et manger végétal. Donc, tout ça est cohérent ensemble. Cette approche, créée il y a plus de 20 ans par 2 nutritionnistes californiennes, est fondée sur 10 grands principes, dont rejeter la culture des diètes et faire la paix avec les aliments. En Amérique du Nord, on a un rapport très fonctionnel à l'alimentation, très anxiogène, je dirais. Donc, l'alimentation est une façon de vivre plus longtemps, d'avoir un corps très svelte. Quand on dit qu'on n'a pas d'aliments interdits, ça ne veut pas dire de manger n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas ça que ça veut dire. Vu qu'on veut se sentir bien, bien sûr qu'on va en manger des aliments plus sucrés, des aliments frits, des aliments plus gras, mais dans une quantité qui va faire qu'on va se sentir quand même bien après. Les aliments ultra-transformés, bien sûr qu'on veut les limiter. Si les gens choisissent des aliments plus entiers, moins transformés, ils vont nécessairement manger moins, manger plus
selon leurs besoins. Parce que ces aliments sont harmonieux pour notre corps. C'est des aliments qui encouragent un métabolisme favorable à la santé. Alors que d'autres produits, disons riches en sucre, en gras et en sel, vont davantage engendrer des effets métaboliques qui vont être défavorables à la santé. L'idée avec l'alimentation intuitive, c'est aussi d'être à l'écoute de comment on se sent, t'sais, d'être connecté avec son corps. On suggère aussi de cesser de catégoriser les aliments. Je serais mal placée pour dire que la valeur nutritive, c'est pas intéressant. Évidemment, c'est intéressant, tu sais, mais on mange pas des nutriments, on mange des aliments. C'est important de revenir à ce qu'on mange de façon globale, mais il y a comme une tendance à manger de l'infiniment petit, là, manger des protéines, manger des glucides. Moi, je dis toujours, ça goûte quoi, ça, de manger des protéines puis des glucides? C'est bien plate! Évidemment, nous sommes encouragés à faire de l'activité physique, non pas pour brûler des calories, mais pour le plaisir. Je trouve que ça s'allie vraiment bien avec l'activité physique, l'alimentation intuitive. J'amène vraiment mes clients à arrêter de se peser, à se reconnecter à leur bien-être, à qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais pour vrai, c'est arrêter de se stresser avec le poids. C'est complètement contre-productif. Abandonner l'image qu'on se fait de ce qu'on devrait avoir l'air, changer un peu nos habitudes, se recentrer sur nous-mêmes et surtout lâcher prise, être imparfait et en santé, comme le dit Joanne. Arrêter d'être en combat contre soi. Ouais. D'être en combat pour l'alimentation, être en combat pour l'activité physique. Avec notre poids, là, on est dans le passé ou dans le futur? On veut atteindre un poids qu'on a déjà eu ou on est toujours dans l'attente de maigrir. On ne peut pas passer notre vie à vouloir changer de poids, à vouloir modifier notre corps ou une vie à ne pas s'aimer. Je trouve que c'est de valeur parce qu'une vie, on en a juste une, puis un corps, on en a juste un. Tu sais, c'est correct là, si on ne trouve pas que c'est le plus beau, mais tu sais, au moins que ça ne nous nuise pas.